Et coucou, alors j'espère que vous allez bien. On se. Je ne sais pas quel jour. Oui, parce que je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Je sais quel jour on est, hein. Je perds pas encore la tête, bien que des fois. Non, nous sommes le 19 mars. Et pour l'instant, j'arrive à filmer des vidéos un petit peu tous les jours. Au moins une ou deux éventuellement. Mais bon. Donc, voilà. Donc, tant que je peux en faire, j'en fais. Je reste, je persiste et je signe. Je vais pas vous lâcher comme ça, non mais oh. Alors, pardon, je vais vous faire bouger. Ça commence. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo ensemble. J'avais envie de faire. J'ai commencé hier pour faire une série d'ATC. Alors, comment vous dire que ce serait une série de 15 ATC? Oui, parce que je voulais utiliser tous les tampons et je les ai utilisés en 3 fois chacun. Donc, ça fait 15. Je vous ferai voir la planche de tampons après. Et je vais d'abord faire le fond avec vous. Donc j'en ai déjà fait 12. Et on va en faire 3 ensemble. Voilà. Alors là, j'ai tout juste de les finir. Je vais mettre les Crystal Drop dessus. Il me reste juste ces 3-là à faire avec vous. Et ça sera nickel. Donc, une petite feuille de papier. Donc c'est une feuille de papier Canson Mix Media 200 grammes. Si ça vous intéresse, après sur d'autres papiers, hein, c'est comme vous voulez. Je vais me servir de ce petit stencil que j'ai trouvé sur Variation Créative. Non, Horizon Créatif, pardon. Horizon Créatif. C'est un Polka Doodle. Voilà. Il m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, je vais le tenter, je vais l'essayer. En même temps que je vais essayer une planche de tampon que j'ai achetée aussi, par contre, elle chez Variation Créative, que je ne vous avais pas montré. Donc je vous montrerai ça après. Donc là, impeccable, ça fait la longueur de ma feuille. Dans un sens, c'est pas plus mal. Je vais juste garder un tout petit bout. Non. Je vais aller dans l'angle pour essayer de perdre le moins de feuilles possible. Parce que le reste, les chutes, bien sûr, je récupère. Que ce soit pour mettre des petits sentiments ou autre, c'est toujours utile. Je prends un washi que je me sers pas forcément pour le scrap. Mais plutôt pour mettre derrière les enveloppes quand je les ferme. Parce qu'il dit bisous pour les copinettes, c'est toujours bien. Hop. Bon, normalement, il ne colle pas des masses, mais un minimum, je passe quand même sur mon bras. Hop. Désolée si vous entendez du bruit, hein, les enfants. Donc, dans cette série d'ATC, c'est que des tests, en fait, de des tests. C'est que des premiers, des premières. C'est la première fois que je me sers de ce pochoir, c'est la première fois que je me sers des tampons. J'ai acheté les dies qui allaient avec les tampons. Malheureusement, je n'ai pas trouvé sur le même site, donc il a fallu que je fasse deux commandes différentes. Enfin bon, bref, je les ai reçues déjà il y a plus d'une semaine, bien avant qu'on soit confiné. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, je suis très fan. Déjà, ces tampons, quand je les avais vus, ils m'avaient fait de l'œil il y a plus d'un mois déjà qu'ils me faisaient de l'œil. Et quand j'avais voulu les prendre. C'était pas le bon moment. Hein, c'est jamais le bon moment de toute façon. Et puis au final, quand j'avais fait une commande et puis je ne les avais pas pris. Puis au final, je me suis dit, oh ouais, mais je regrette. Et au final, quand j'ai voulu vraiment les prendre, eh ben, il ne restait plus que les tampons sur un site et les dies sur un autre site. Donc je me suis dit, je les prends, je les prends pas, je ne sais pas. Bref. Donc voilà. Je les ai eus. Je suis contente. J'ai pris un chipol. Donc. Là, on va venir faire notre petit fond. Donc, avec un pochoir comme ça, on fait 3 fonds d'ATC. Et la casse. Non, c'est bon. Donc, je prends, hop, ma première couleur. Donc, Twisted Citron. Voilà, je suis avec ma petite mousse. Récupérer de l'encre. Et là, je vais aléatoirement mettre de l'encre par-ci, par-là. Alors, je fais vraiment pas attention aux détails. Désolée, j'ai mis pause. Donc, je ne fais pas trop attention où je vais ni au détail. Hop, tout au détail. Pour fondre les couleurs, je vais venir après en dernier avec le jaune pour fondre les couleurs entre elles, donc, au niveau des bords. Donc là, je mets là où j'ai envie mes couleurs. Bon, je le fais entièrement avec vous parce qu'il n'est pas très très long, hein. Il n'est pas très grand à faire. Donc ça va encore. Hop, on va mettre un petit peu par là. Et un petit peu ici. Oula. Si je fais des bêtises, ça va pas aller. Ouais, il y a juste cette fleur qui n'arrête pas de remonter depuis
Depuis que je me suis amusée avec hier, ou avec, à faire mes fonds. Elle est un peu fragile, ça, parce qu'il n'y a rien d'autre qui la retient. Donc voilà. Donc normalement, le vert, c'est bon. Si j'ai besoin, j'y retournerai. Mais normalement, c'est bon. Ensuite, je prends celle-ci. La Marigold. Fait un peu orange. Hein. Hop. Donc pareil, je viens. Je mets. Et là, on voit bien la séparation des couleurs, mais après, je vais venir fondre un peu tout ça. Et ça se verra à peine. Toi, ça fera plus joli, quoi. Hop. Ensuite, je vais remettre par là. Donc là, je vais faire attention avec mon petit bout là, qui se fait la malle. Au lieu de frotter, là, j'appuie plutôt. Comme ça, j'évite de faire des bêtises. Je ne vais pas abîmer le pochoir. Là, ce pochoir, je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Il est magnifique. Donc là, avec celui-là, j'en finis. Et je vous fais bouger. Ça va? Pas trop de mal de mer? Pardon, je suis vilaine. Et je viens avec ma dernière couleur. Donc là, Squeezie de limonade. Hop. Qui est un superbe jaune. Et donc là, hop, je viens mettre ma couleur dans les blancs. Et ensuite, je vais essayer de fondre un petit peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, toutes les couleurs entre elles. Hop. Donc, quand il y a deux couleurs qui se joignent, hop, je passe avec mon jaune. Sais pas si vous voyez, ça fait une belle. Un beau fondu, comme là par exemple. On voit bien les démarcations. Hop, je passe. Et vous voyez, hop, on garde le vert, on garde l'orange. Il y a un petit peu de jaune au milieu, mais ça fond vraiment les couleurs entre elles. Et je trouve ça super joli. Petit peu ici. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je m'arrête ici. Je pousse tout ça et on va enlever ceci et on va découvrir ce qu'il y a en dessous. Hop. Bon, j'aurais pu garder le washing si j'en avais d'autres à faire derrière, mais j'en ai pas d'autres à faire, donc hop, je jette et je viens soulever mon pochoir. Tadam! Ouais, j'adore, suspense. Donc ça, il y a plein d'encre dessus. Après, au lieu de nettoyer directement, je vais mettre un peu d'encre dessus, d'eau, d'encre d'eau, et mettre sur ma feuille. J'ai une feuille brouillon, on va dire, et je viens récupérer l'encre, même si ça fait pas forcément les fleurs modèles, hein, en impression, on va dire. Mais je récupère l'encre qu'il y a dessus. Ah ouais. Voilà, pas de cachet, encore une fois. Bien que je gâche des fois un petit peu d'encre quand même. Mais voilà, bon bref. Je vous montre de plus près le superbe rendu. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Maintenant, je vais venir couper. Si j'arrive à attraper. Ah, je me suis fait mal. C'est pas grave. Ma guillotine. Donc, là, je les coupe. Alors, je les coupe. À washant inch, hein. Moi je me fais des marques et tout. Je vous le dis en centimètres après. En gros, ça fait vraiment pas grand chose d'écart avec le pochoir. Vous voyez, reste vraiment un millimètre ou deux à peine. Donc, hop, et ici c'est ça. J'espère ne pas faire de bêtises. Ah, puis là, je mets les doigts dedans. Alors, je vérifie juste si c'est la bonne taille. Impeccable, c'est jamais. Et puis hier soir, j'aurais pu perdre les mesures. Hop. Et hop. Il me reste juste un petit bout comme ça. J'ai gardé déjà ceux d'hier. J'en ferai peut-être quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être des ATS. J'en sais rien. Ça, bien sûr, je le garde. Hein. C'est pas pour le petit millimètre qu'il y a là. Et donc voici nos trois superbes fonds. Hop. J'ai plein d'encre sur les doigts. Hop.
Donc, je vais encore les tripoter un petit peu. Juste le temps d'ancrer un peu les bords en noir. Hop. Je vais pas en mettre partout. J'ai plus d'encre sur mon CDG. Hop, viens ici toi. Je prends ma Distress Ink. On va remettre un petit peu. Ah ben voilà. Vraiment que ça ressorte. Voilà. J'espère que vous arrivez à vous occuper comme il faut. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites de vos journées. Hein. Pour ma part, bah, toujours pareil qu'il y a 2 jours, vu que j'ai dû vous en parler dans une autre vidéo. Devoir avec mes filles le matin. Voilà, la première journée, j'ai essayé matin, après-midi. Ça a fonctionné, mais la deuxième journée, j'ai essayé que le matin. Et au final, ça marche aussi. Je passe un petit peu plus de temps le matin, mais au moins, comme ça, l'après-midi, elles sont tranquilles pour faire des activités. On essaye de faire aussi les défis de Natacha. Donc, sur son groupe Facebook, elle a lancé un petit peu des défis tous les jours, mais des petits défis comme ça, juste pour le plaisir, qu'on réalise aussi avec mes pépettes. Je pense que je vous ferai une vidéo quand on aura fini tous les défis. Je ne sais pas quand, quand le confinement sera fini. Et je vous montrerai les défis avec ce qu'il y avait à faire comme défi, ce que j'en ai fait. Pour ma part, je suis partie sur des ATC. J'espère que j'arriverai à faire tout ce qu'elle propose en ATC. Mais ça me fera un petit souvenir, ouais, entre guillemets, un petit souvenir pour, ben voilà, pour le garder, tout simplement. Donc, ça, et puis l'après-midi, voilà, on essaie de s'occuper. On fait à manger, on prépare des goûters, on fait, voilà, on s'occupe comme on peut. On fait des jeux et j'ai décidé de faire le ménage de printemps. De confinement, je l'appelle le ménage de confinement. Tant qu'à faire, il fait beau, il y a du soleil. Hein. Il est sorti depuis 3 jours, il est là, donc autant en profiter. Donc, on fait le ménage, on nettoie tout à fond, on décape tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites de vos journées. Ah oui, hein, ça peut intéresser, ça peut aider du monde. Alors, pour ces ATC, j'ai mon plan de travail qui est tout cracra. Pour ces ATC, j'ai sorti des... papier de chez assez costaud que j'avais chez Lidl, donc pareil dans les tons un peu dans le même ton un peu que ceux-là, jaune, vert et un peu orangé pastel, on va dire, et ça se marie super bien avec les encres. C'est vraiment comme s'ils étaient faits pour aller avec, donc je suis trop contente pour le coup quand je les ai trouvés. Au début, j'avais sorti un papier orange à pois blanc, c'est ça. Je crois. Ouais. Orange à pois blanc. Et au final, je trouvais que ça faisait trop de motifs. Et après, je me suis dit, non, il faut du uni. Puis au final, ben, j'adore. Donc, j'essaie de voir à peu près lesquels vont aller où. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Vous voyez, je trouve ça super joli. Ça se marie super bien. Ça donne envie de printemps, d'été, de soleil. Bref. Donc là, je vais venir coller, hop, mes fonds. Donc, oui, mes fonds sur mes bases. Hop. Je fais les 3 avec vous. Hein. J'ai déjà avancé dans le boulot de colorier mes petits lapins. Ça, c'est déjà fait. Donc, il y aura ça en moins. Mais je voulais au moins vous faire voir comment je faisais mon fond et mon pochoir. J'étais tellement contente de mon coup que... De mon coup. De mon mélange de 3 couleurs. Là, je trouvais que ça fait tellement joli que je me suis dit, tiens, il faudrait que je refasse une petite vidéo. Hop, et que je vous montre ça. Alors, hop, hop, hop. Aïe. Je suis assise sur ma jambe et j'ai des fourmis dans le pied. Je ne sais pas rester assise correctement droite. Les jambes qui tombent par terre, entre guillemets. Non, je ne sais pas faire. Hop, et la dernière. Sur ce fond-là.
Je trouve ça super joli. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez super bien. Au niveau de la lumière, si je l'augmente un petit peu. Hop. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Bref. Moi, j'aime beaucoup. Donc, mes petits lapins, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc, ceux que j'ai découpés. Donc là, c'est les trois mêmes, hein. J'avais cinq modèles et donc je les ai découpés trois fois chacun. Donc, le petit lapin tout content avec sa carotte. Donc, ici, le lapin, je l'ai laissé en blanc. Il y a juste l'intérieur de l'oreille que j'ai mis du rose, bien sûr. Donc, il va venir se mettre sur les ATC. Hop, hop, hop. Et je vous montre la planche quand même. C'est cette planche-là, pardon, je bug. Cette planche-ci de chez All and Create. Et qui est trop marrante. Je la trouvais juste excellente, cette planche. Lui qui fait la tronche, je le kiffe. Voilà, ils sont trop, trop, trop mignons. Et donc, j'ai acheté donc les dies séparément, mais je me suis dit, ça peut être sympa. Bon, après, ils sont pas compliqués à détourer, hein. Mais je voulais pour une fois les dies qui allaient avec les tampons. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. Et donc, au niveau du sentiment, c'est juste un joyeux pack qui me vient dans cette planche-là, donc de chez Artemio. Tout simplement. Normalement, le joyeux pack était en un. Sauf que, moi, je l'ai coupé. Je l'ai coupé parce que en longueur, c'était embêtant de tamponner un mot, l'autre mot, surtout sur une ATC. Et au final, si je veux m'en servir des deux, comme j'ai coupé droit, j'ai juste à recoller l'autre bien à côté de l'autre. Je dois recoller, à repositionner sur une plaque plus grande. Et ça marche. Donc voilà, j'ai mon joyeux pack séparé. Pourquoi ça me fait ça ici? Hop. Ouais, c'est parce que j'ai augmenté la luminosité. Bon, bref, pardon. Donc voilà, donc je viens chercher ma VersaFine. Je vais venir tamponner. Alors déjà, comment je positionne mes lapinous? Donc lui, on va le mettre pas. Ouais, on va le mettre par là dans le coin, tiens. Il est puni, il est au coin. Lui, je vais le mettre un petit peu par ici. Est-ce que mon joyeuse, ça va le faire? Je vais descendre un petit peu, toi. Et toi? Ah, mais c'est pareil, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc, toi, on va te mettre en bas à gauche. Voilà. Donc, ça va faire du bruit. Je viens tamponner. Désolé, je rapproche. J'essaye que vous voyez en même temps. Donc, joyeuse ici. J'essaie de les faire un tout petit peu différents, même si elles seront pareilles. Elles seront semblables. Alors lui, je descends pour l'instant le temps de faire mon tamponnage. Sans faire de bêtises, ce serait bien. Et le petit dernier. Hop. Je nettoierai ça après. Et pack. Alors. Ouais, allez, soyons fous. Celui-là, on met le traviole. Ouais, j'ai envie. Il y en a certains que j'ai mis en biais sur les autres, mais les deux. Le joyeuse et le pack. Donc, toi, pour le coup, j'avais dit que tu venais par ici. Ah ben, toi, on va te mettre dans l'autre sens. Allez, hop. Pourquoi pas. Et lui. On va essayer de le mettre en dessous quand même. Ouais. Peur que ça marche pas. Ah, attendez. Désolée, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est pour voir si j'ai de la place en dessous. Ouais, impeccable. Zou! Donc, j'ai plus qu'à... Je vais faire mon encre, à coller mes petits lapinous. Y mettre des petits crystal drops. Et mes ATC sont finis. Et je vous montre toutes celles que j'ai faites à côté. On est à combien? 20 minutes. Oh là là. En soi, c'était pas très long à faire, mais ben, je papote quoi, hein, pour pas changer. Hop. Puis, je fais attention à ce que là, l'encre est pas sèche. La verse finit toute neuve. Donc elle est bien, 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 bien liquide, on va dire.
fait, lui, il va être aussi dans le même coin. Alors, lever un tout petit peu. Comparaison copain. Même si je fais des ATC entre guillemets identiques, j'essaie toujours de faire une petite différence dessus. Parce que d'avoir exactement les mêmes, c'est pas drôle. Mais bon, ça m'arrive quand même. Hein. Mais bon, là, déjà en soi, le fond de la base est d'une couleur différente. Le fond est un peu différent parce que c'est pas tout à fait tous les mêmes motifs, mais pas tout à fait de la même couleur, pas tout à fait au même endroit, pas tout à fait. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Hop! Voilà. Et donc, j'essaie de disposer les éléments un peu différemment. Voilà. Donc, je viens chercher mes deux Crystal Drops. Donc, le vert et l'orange. L'orange, je ne sais pas ce qu'il a. Il me fait comme le noir, je crois. Est-ce que c'est parce qu'il est vieux? Pourtant, il n'est pas si vieux que ça, je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'il fait un peu élastique quand je le vide. Quand je le vide. Quand je fais mes petits pâtés. Alors, pour le coup, je vais en mettre. Là, deux ici. Un ici. Là. Deux ici. À la base, je voulais mettre vert, orange et jaune, comme pour mes couleurs de base. Hein. Mais j'ai pas de jaune. Moi, j'ai un jaune, mais c'est un jaune moutarde. Il tire trop sur l'orange, on va dire. Il m'en faudrait un jaune un peu plus dans cet esprit-là, quoi. Donc, je sais ce que j'aurai à m'acheter comme Crystal Drop pour la prochaine fois. Alors là, j'ai fait une boulette. Hop, on rectifie un petit peu. Zou. Ah ben, la deuxième, pareil. Ouais, je sais pas ce qu'il a celui-là aujourd'hui. Il merdouille. Désolé pour le terme, mais c'est le cas de le dire. Voilà. Les petites vertes. Donc là, j'en ai mis qu'une, j'en mets deux. Et là, j'en ai mis deux, j'en mets qu'une. Logique. Alors, le vert, lui, il coule tout seul. J'appuie à peine dessus. J'ai oublié d'en faire là-haut. Trop forte, la fille. J'appuie à peine dessus que lui, ça sort direct. Dire que celui-là est plus liquide, l'autre fait ouais, fait plus élastique. Alors là, j'en veux deux vertes. Hop. Et une orange. Ah, il y en a qui jouent la maîtresse. Ouais. Faut bien qu'elles s'occupent avant pour l'école. Elles jouent à la maîtresse. Elles sont passées de devoir le matin. À croire. Bref. Donc voilà mes petites ATC. Je vous montre les suivantes. Donc celles-ci, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre sur le pochoir tout cracra. Bon, en soi, c'est pas grave. Derrière, j'ai pas encore mis les étiquettes, mais bon. Hop, hop. Et les autres où les Crystal Drops étaient en train de sécher. Donc je vais les faire 3 par 3. Hop, hop, hop. Est-ce que j'arriverai à toutes les caler? On va essayer. On va essayer, mais je vous promets rien. Donc, les trois ici, les trois ici. Donc à chaque fois, c'est juste le lapin qui change au final. Hop, le lapin. À chaque fois, il y a un fond vert, un fond jaune, un fond un peu orangé. Bon, je vais pas réussir à tout mettre. Hein. Je crois pas. Celui-là, je l'adore. Celui-là qui fait la tronche, je le kiffe. Il m'éclate. Ouais, il a pas eu son chocolat. Lui. Et le dernier, c'est celui-ci. Ça m'embête de ne pas pouvoir tous vous les mettre. Si je colle un petit peu plus, ça va être tendu, mais on devrait y arriver. Hop, viens ici, toi. Pas tomber. Hop, hop, hop. Et les deux dernières. Voilà. Dis-moi les deux dernières. C'est celle que j'avais déjà préparée. Et donc là, les trois que j'ai fait avec vous qui sont à côté. Voilà. Non, Marie, fais pas ça. Je sais pas si les cristaux. Bon, il n'y a pas de Crystal Drop, mais. Ah, si, ça va, ils sont secs. Ouf, j'ai eu peur. Donc, je vous les mets là, les trois dernières.
Voilà, tout ça pour vous dire que je me suis bien éclatée, je me suis bien amusée, j'adore mes ATC, elles sont trop trop belles. Je crois que c'est une de mes séries préférées. Voilà, il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a des fleurs, il y a des petits lapins bien rigolos, bien sympathiques. Et puis c'est tout. Je crois que je vais arrêter mon blabla ici parce que 25 minutes, c'est quand même abusé. Et je vais aller prendre mon goûter. Bah oui, parce que j'ai faim, qu'il est 4 heures. Sur ce, j'espère quand même que ma petite vidéo vous aura plu, vous aura donné le sourire 5 minutes si vous ne l'avez pas. Et on tient bon, hein? On va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Et je reviendrai peut-être une fois tout ce confinement est fini et tous les soucis, entre guillemets, qui ont engendré cette histoire finie. Je reviendrai peut-être avec cette série et on verra si je vous en propose à l'échange ou à gagner éventuellement. Ça peut être sympa. Voilà, on verra ça en temps et en heure, comme toujours. Voilà, sur ce, j'arrête, je me tais. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!